Et salut à tous, c'est Fenrir, on est parti pour une nouvelle vidéo sur Lord of Fallen. Hors caméra, j'ai farmé un petit peu 2-3 levels, j'ai fouillé quelques zones avec des clés cachées qu'on avait, donc j'ai pu récupérer le set de résonance, donc le casque que j'ai sur la tête, en faisant le farming des armes. Oh, j'en peux plus. Des pierres, j'ai pu monter donc piéter à niveau 4. Il me faut une tablette pour passer niveau dessus. Ma clé mort, je l'ai pas bondé non plus. Elle est niveau 4, mais il me paraît que j'ai pas assez pour pouvoir le monter. J'ai monté ma radiance à 40. Radiance 40, 18 en brasier. Objectif, passer à 20 en brasier pour l'arrondir. 31 vitalité. Alors 31, de base j'ai 30 en vitalité, 25 en endurance, 25 en agilité, 40 en force. Je suis radiance et force essentiellement. Mais je me monte un petit peu toutes les caractéristiques justement pour monter le... Pour en fait en faire après tester un peu tout. Donc on est ici. Ok. Donc voici les gorges. Ah, faire gaffe qu'il y a des chiens. Oula. Oula. C'est quoi, c'est un cerbère en flamme? Un cerbère en flamme kamikaze. Ok. Allez, je récupère ça après. Non, tu me laisses 2 secondes. Hop, on va se remettre avec notre... Ah si, voilà, j'ai monté 5 ma magie. Donc c'est cool. J'ai récupéré l'aura de ténacité. Je sais plus où. Mais en gros, ça me fait un genre de shield d'énergie sur moi qui augmente ma défense. Et qui réduit petit à petit en fait, mon mana jusqu'à 0. Donc voilà. Le pouvoir donc des anges et un pouvoir de soin de zone. Mais le soin de zone, je vais l'enlever, c'était pour un truc. Merde, par contre, je vais peut-être tester celui-là, tiens. Voir... Est-ce que c'est un laser ou est-ce que c'est un... J'ai une boule. Donc voilà, l'armure du rempart qui était l'armure des gros avec les marteaux. Tac, 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 on est pas mal, on est pas mal. Tac, tac, on commence pas à passer par là peut-être. Que c'est juste le même sort mais qui passe à travers les ennemis en fait. Donc on va peut-être le changer, on va se prendre un truc de soin quand même. Même un soin, il y en a qui m'attaquent. Créatif. Parce que je préfère avec... le fait que j'ai pris cette épée là, ce que j'aime bien c'est que comme c'est une épée rapide. C'est pas du tout ce que je voulais faire, je vais me bouffer de la magie pour rien. Je pensais que c'est... Voilà, tac. Là on peut absorber tout le mana qui est derrière la zone, enfin tout le mana. Pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin? Oula, un boss. Ah, j'ai déjà rencontré celui-là. Enfin, un perso qui y ressemble. C'est simple. Après ça c'est un perso qu'on retrouve en lambda. C'est un perso qu'on va retrouver en mob lambda, j'ai déjà vu dans une zone qu'on a ouvert avec une clé. Hors caméra évidemment. Carnassière.
Carnassir, 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 c'est celle-là. Hey, stylé, ça fait. Alors là, ça fait plus épée type Lord of Fallen 2014. Déjà. Pensez qu'on n'a pas de. Ancienne épée fait de métal regard, rougie par le flot du sang qui l'a versé. Rend la, de la santé à son possesseur en tuant l'ennemi. Ah, stylé. Elle te soigne pendant quand tu tues des ennemis. Ça peut être très cool. Je, alors, je sais pas. Est-ce que. Il faudrait que je te fasse un test. Mais je me demande si. Est-ce que. Le. En utilisant par exemple. Cet item là. On va dire. Cette épée. Plus une autre épée, genre en ambidextory, est-ce que ça va me donner les bonus ou pas du tout? J'ai l'impression que l'ambidextory me donne pas grand chose en bonus, quoi, en dégâts, quoi. Ok, des combos sympas, mais j'ai l'impression que mes armes sont baissées d'un coup en puissance, et ça, je trouve ça dommage. Mais par contre, j'adore l'effet sabre laser. Ça, c'est un truc que j'adore sur l'arme que j'ai. Ok, donc on a ouvert un raccourci pour revenir dans cette zone-là. Ok. Bon, on va redescendre. La carte est vraiment pourrie. Et en bas à gauche, je pense que ça doit être les marais. Donc c'est celui qu'on a fini. Et là, on doit être... Ah, on est peut-être en train d'aller au milieu. Soit au milieu, soit la grande tour, peut-être. J'arrive pas trop à deviner où est-ce qu'on est, parce que... Là, sur les cartes... Ah, ça, c'est la cloche. À droite. Donc la cloche, on l'a faite. Ça, c'était le marais. Kalrath, ben, c'est là où on va, Kalrath en fait. Donc c'est la direction où on va. Donc si c'est pas là et s'il n'y a pas d'autres zones, on va revenir en arrière. Et on va profiter pour utiliser plutôt une petite pierre basique de progression graduelle. La taxi, je vais une bon, j'ai un de tir. Du résistance châtiment, ok. D'accord. Putain, il s'appelle Tamaren, sérieusement. Le mob s'appelle Tamaren. Oh la honte. Oh, tiens. Il y a un parterre de fleurs. Nickel. J'ai récupéré un grand espadon. Je suis en train d'essayer de monter en me baladant. Alors dans une zone hyper chaude, mais j'ai réussi à drop. Elle m'a l'air pas mal. Je suis commencé à monter parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Voilà, gloire sanglante. Oui, elle a 270 en plus 3. Là où mon épée en plus 4 elle a 281. C'est-à-dire qu'en plus 4, elle est au-dessus de mon arme. Donc là, elle a force et radiance. Donc, et à comparer des autres, celles-là, elles n'ont pas l'air ouf, mais elle a un bonus de 300 sanguinaires. Par contre, de 1, elle pèse une brique. Hein. Elle pèse, attends, où est-ce qu'elle est le poids? 35 kilos. Donc, oh, quoi qu'elle est plus légère que les autres. Tiens, je m'attendais à ce que ça soit plus lourde. Mais par contre, elle a l'air 15 fois plus grande, plus grosse en taille. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir l'épée de Berserk, mais en version rosier.
Là, c'est de réunir la zone d'où on était, d'où on vient, je veux dire. Alors, hop, mon micro. Peut-être un peu loin du micro quand même. Donc, c'est de revenir à la zone où on était. On va passer là. Oh non, de Dieu. Peut-être vider la zone avant. On récupère les infos. Ça c'est... C'est une... méduse là-bas? Non? Mi-femme, mi... Oh la connasse par contre. Dire mi-femme, mi-serpent. Là, je suis content parce que j'ai récupéré quand même pas mal de pupitres, donc au moins. Et ça, c'est le pire, c'est de se faire attraper par les mecs de l'Ombra. En fait, c'est les mobs de l'Ombral vous touchent, ça vous attire dans leur monde. Oh, enculé. À côté parce qu'on n'a pas accès à elle pour l'instant. Oh non, mais tu te fous de ma gueule. Crash. Crash. Oh non, tu m'as un truc de soin. Épée de Fitzroy. Ah putain, je suis repassé. C'est quoi qui m'a explosé la gueule? Qu'est-ce qui m'a explosé à la gueule? Récupérer l'épée de Fitzroy, elle ressemble à quoi? À quoi l'épée? Force agit, ok, 170, ok, bon, une bonne grande épée, une bonne épée longue pour commencer, quoi. Ah, la 100 quand même de... À la limite, je me demande, c'est peut-être pas plus puissante que mon épée de base, avec 100 de saignement en plus. C'est bon, oui. Et là j'ai l'autre pour pouvoir faire un double sabre laser, mais comme là, elle est que plus 1, j'ai pas l'impression, vous voyez, le mob là je butais en deux coups, j'ai pas l'impression qu'elle est plus puissante que ça. Là je suis obligé de faire un combo complet pour la buter, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment intéressant de le prendre l'ambidextérique, ça divise en fait les dégâts, quoi.
se retaper la route. Les géants qui sont faits empaler par des épées. Gods, 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 that's all you people talk about. Aureus this and Nadir that. You have no vision, no ambition. Just so desperate to be ruled. Well, despite what so many think, you have never needed gods to guide humanity. Only the right man for the task. Who are you? The future you won't live to see. Il m'a tiré qu'un coup, mais non, il m'a tiré trois. Là-haut. Ah, putain, pareil, il a vraiment attendu de... pour initialiser mes, les minutes de, dans l'Umbra parce que... Moi je récupère mes âmes. C'est cette merde qui explose en intéressant. Elle a pas cru. How do? Not gonna hurt us now. Wait till Melchior sees me next. I'll chop me in evil milk. Melchior, he's a famous knight. He's an evil wizard and all. No, I fell down when I won't, and he'd never. Not to worry. Okay. Je sais pas qui c'est, mais okay. Ah, une tablette. Je vais peut-être pouvoir monter mon arme niveau max alors.
Viens fouiller la zone qui est là. Qu'est-ce qu'il y avait par là? Ok, alors viens là. Je pensais que c'était là où il y avait la recherche, mais pas du tout. On va monter par là. Les pentes, t'as pu. Est-ce qu'il n'y a pas une petite zone à fleurs, les gars? Bon bah go hein. Bouclier et armure, graines végétales. Oh, 64% de protection magique, de protection physique, 90% de flamme. C'est pas mal ça. Armure. On va monter une petite hop. Encore un level. Il serait pas mal. Thank you.
Y a des faucheuses, putain, j'aime pas les faucheuses. Non mais tu te fous de ma gueule, putain. Partout maintenant des mimiques de merde là. J'ai remboursé ma petite graine vestigiale. J'ai l'impression que j'entends des bébés qui pleurent, ça m'énerve. En jeu, je parle. Hein. Pourquoi est-ce que ça sent encore le combat de boss? Attends, mais c'est le connard? Là, je m'attendais à le voir limite en boss de fin, ou comme ça, pas maintenant. Le problème c'est que j'avais fini direct dans l'ombre donc Rose, 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 rose.
Putain. La feuille qui arrive à me brûler et qui brûle dans le sol. Oh, je suis deg. Oh, je suis dégoûté. Putain. Il n'y a pas eu l'effet de brûlure, c'était bon, je m'en sortais. Bon, j'ai pas eu le bol déjà d'arriver en plein milieu de... Enfin, sur le combat de boss avec... Avec déjà Umbra et compagnie, quoi. Mais non, putain, je suis timé ça pour rien. C'est normal que le boss apparaisse pas. Ou est-ce que le boss n'apparaît que lors du... qu'on a en Umbra peut-être ? Grenade serpentine. Effet de poison. Ok. Et à comparer de ce que j'ai. Donc on passe à 90. Donc on peut pas aller au-dessus. Thank you.
Regarde s'il n'y a pas un truc qui est apparu, merde. Il y a un ennemi devant moi, mais il veut quand même aller et focus celui qui est derrière toi. J'ai fait me faire toucher. Bon, et ben il y a un gros tête, j'ai vu. Je sais pas ce que c'est. Il y a des petits mobs. Pardon? Je me suis fait one shot. C'est quoi cette tête de merde? C'est quoi cette vieille tête? Là, donc dire qu'il y a un truc là. Attends, tac 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 tac. Pardon. Et pendant le combat de boss, j'avais ce message là, je trouvais ça chelou. Je crois pas qu'on va descendre vers les c'est des trucs quand si peut bien avoir là-haut pour pouvoir faire un tour pareil.
Des pépites. Un chef. Ouais. Pour un peu toutes les zones, mais hop 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 hop, volé. J'ai l'impression que c'est une autre zone de boss. Là, j'ai l'impression d'être entouré que par des boss. Ce qu'on va faire, on va essayer de récupérer nos âmes, comme ça reste quand même des combats de base. Et comment s'appelle la zone? Hôtel, d'accord. On va essayer de récupérer mes âmes, comme ça je vais pouvoir aller au moins au forgeron donner la tablette. Si je peux level up au max mon épée, ce serait cool. Que là dans les inventaires, les pierres... 12 pierres normales, 12 pierres moyennes, donc au moins j'ai de quoi améliorer au moins mon espadon. Putain, mais j'étais sûr que c'était plus loin qu'il y avait ce truc de merde. Lâche ma tête. Oh, l'esquive. C'est étonnant, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être des mobs qu'on aura obligatoirement dans le... Non, je me suis...
Voilà, mais à chaque fois qu'il s'arrête à un millimètre du mec, ça me fout les poux. Qu'est-ce qu'on a là? Putain, par contre, les frames qui crachent comme pas possible, c'est casse-couille. J'ai mis, j'en ai acheté des papillons vestigales. Ça vous permet de revenir dans votre à votre camp sans perdre les âmes. Donc au moins si un boss casse-couille, tiens, si les zones, si un boss par exemple qui atterrissait et comme j'ai plus de soins, je peux me TP moyennant le temps le faire aussi. Je peux me TP dans la zone quoi. Ils explosent pas. Oh, par contre, ils peuvent me. J'ai rien dit, ils explosent. Voilà. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mieux après?
Endurance, je pourrais le monter à 30. Vitalité était à 40. Agilité à 30. Donc là, niveau. Si je reste sur cette arme-là, pour l'instant, j'ai pas de. Y a rien d'autre à part la radiance pour le up. Si je passe sur la grosse épée, là il me faudra force et radiance. Oui, elle est déjà 270 d'attaque, 104 plus 101. Ah, elle a du sacré. Sacré, donc c'est-à-dire qu'elle a de la radiance, plus de la sanguinaire. Et 300 de sanguinaire, c'est pas mal du tout. Mais j'aimerais bien retenter peut-être le boss là. Faut que je vois si j'arrive à up la grosse épée. J'ai déjà donné la tablette, mais si j'arrive à up la grosse épée, je pourrais peut-être me farcir le plus rapide, plus facilement en tout cas le petit boss à porte-flamme. C'est genre que j'ai qu'une vie avec ce boss là. J'ai pas de truc, non. You look tired, friend. That heretic as are you. T'as rien d'autre à me faire acheter, que dalle. T'as regardé, à peine deux animations et le jeu il crache quoi. Selfish and avaricious as coming needs now to bind me to I watch and only to them. I have traveled and born with and I have cast a type of my renewed only main. I only Oh get back to verb. Alors là, il me file. Ah, alors, maintenant on peut acheter des petits trucs, plus des runes. Peut-être pouvoir enfin les. Ah oui, on peut les placer. Une rune. Alors j'ai quoi? Regardez, je suis à l'arrêt sur les mages quasiment. Augmente les gains d'attributs de radiance, brasier, sans bouclier, augmente la résistance à l'effroi. Pour certains, bien loin de libérer de la douleur, la mort plutôt qu'un essai un peu tourmenté d'inutile voile, vont le gain. Ok, les deux c'est pareil. Oh, bah nickel. Parce que de toute façon, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai donc là-dessus, voilà. On peut toujours pas améliorer les boucliers, les épées. Alors est-ce que j'ai une. Ah, mais j'ai pas. Ah, c'est pas une tablette. Oh non, j'ai les boules. Je crois que c'est une tablette pour améliorer mon arme, donc je peux pas l'up. Et l'autre. Gloire sanglante. 2. Oui. 4. Ah, j'ai passé le big up. Je peux vendre du stuff. Il m'en faut 2 pour passer en plus 6. Putain, je suis déjà 348. 392. C'est cool ça. Par contre, sur la grosse épée, j'ai pas de. C'est quoi les runes qu'avant d'ailleurs? Augmente l'attribut de force, les gains d'attribut force, qu'on les chemins d'attribut force, ok. Agilité, radiance, brasier. Donc, si j'équipe ça sur mon arme, faut que je regarde en fait la radiance ou l'autre. Il y en a un des deux en fait qui sera un bonus de. Il y aura un bonus.
Radiance. Donc faut que je mette Radiance pour augmenter la puissance de cette arme là. Ok. 35 kilos. Ah, je passe en lourd. Parce combien de coches? 13. Et c'est ça que j'ai deux fois ce truc. Donc là, si je passe en armure dévastateur, des bras. Ah, j'ai mis une crotte qui servit. Les bras, j'ai passe en. Ah, je suis un millimètre. Moyen. Donc là, théoriquement, je roule normal. Donc, on peut voir, c'est. On est sur un. Un jeu bien plus lent par contre. Ok, bah je vais tester ça sur d'autres mobs. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis bien à la prochaine. C'était Fenrir. Ciao les gars. Surtout partagez, likez et oubliez.